Salut les amis, c'est le Gosh, j'espère que vous allez bien. Allez, on va s'ouvrir la dernière petite Pokébox, le Mentali V. Donc j'ai déjà fait un petit temps de dernière difficulté pour enlever le plastique. La dernière fois, j'avais galéré à enlever le plastique, si tu te souviens bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un petit Mentali V, que stylé, j'aime bien. J'aime bien. Allez, il va rejoindre le Nafali. On a un petit code ici. Je te rappelle que les codes, je les garde de côté. Donc t'hésites pas, si tu veux un code, tu nous rejoins sur Discord. J'envoie les codes à toutes les personnes qui sont présentes sur mon Discord. Donc, si tu veux des codes, tu rejoins Discord, il sera dans la bio, dans la vidéo, et voilà. Donc, on a un petit ténèbre embrasé qu'on a découvert justement dans la dernière vidéo. Ça, c'est plutôt cool. On avait trouvé un petit chiffre, je crois. Enfin, je sais plus, on avait trouvé une carte. Bref, style de combat et deux stars étincelantes. Allez, c'est parti. On va commencer par le petit star étincelante. On a prévu les petits sleeves à côté au cas où, si des fois, on avait quelque chose de très, 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 très joli. Donc je te rappelle, tu veux un code, tu rejoins le Discord, tu me demandes. Donc tu pastilles sur le groupe spécial Pokémon, tu fais arrobase le gosse du 88 et je te donne un code. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur Star Étincelante. Énergie. Prémonition de Margi. Casque Marmite. Noix de coco. Pionotor. Electek. Brutalibré. Mustéboué, que je ne connaissais pas d'ailleurs, je crois. Cricnut. Un petit Morpheo en brillant et on a déjà un petit qui est ouf. On a même un bon gros quelque chose. C'est une full art, ça. Est-ce que c'est pas secrète? Alors vous me direz des commentaires après, je vous cache pas que je connais pas encore tout. On a un petit Krabosbe Max. Comment qu'il est magnifique. DGG dans la vidéo et on va full le protéger directement sur le petit Star Étincelante. J'adore Star Étincelante. Le peu que j'ai découvert Star Étincelante jusqu'à présent, j'ai pas encore été déçu en vrai. Sur la plupart des ouvertures, on a eu des choses vraiment sympathiques. Allez, on le fait descendre là. Qu'est-ce que tu penses de ce petit Krabos en V? Il est vraiment magnifique. En plus, c'est du full art. Oh là 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 là, il est super beau. Allez, on va le mettre ici de côté. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Un deuxième Star Étincelante, ça serait énorme qu'on ait encore une très belle carte dans celui-ci aussi. T'imagines? T'imagines deux Star Étincelantes, deux belles cartes. Je serais vraiment trop, trop, trop hype. Donc, je te rappelle, si tu veux les codes des boosters, t'hésites pas. Tu viens sur Discord, tu me demandes, tu pastilles le gosse du 88 et je te donne des codes. Allez, énergie, cryptéro, prémonition de Margie, Margie, ouais, Margie, Bourbelin, Shinity, Grimalin, Riolu, Tari, Étourmi, un petit Tarinor en brillant et on a un petit Noctunoir. Donc je vais protéger aussi le petit Noctunoir, comme ça un holographique, bien entendu. Les petites choses que moi je commence à connaître à force, hein, petit à petit. Et ben Star Étincelante, c'est pas mal. Hein. Allez, on va garder le petit Krabos VMAX ici. On va ouvrir le style de combat. Donc dis-moi dans les commentaires si je fais bien ou pas d'ouvrir, tu sais, les ténèbres embrasées, parce que j'ai vu qu'il datait de 2020, cette série-là. Est-ce que je fais bien l'ouvrir? Est-ce que je devrais garder les boosters, en fait, tels que, tu vois, sans les ouvrir? Je me pose un peu la question, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ce que tu en penses. Pour l'instant, c'est la première fois que j'en vois du ténèbres embrasées, donc je suis assez content. Donc là, on est sur du point de fusion. Donc, allez, avec un petit énergie, niveau ball, énergie point final, stylé. Luxio, alors pareil, j'avais demandé la dernière fois, vous savez, des fois ça marquait 1000 points ou point final. Vous pouvez me dire à quoi ça sert? Alors je pense que c'est pour jouer, mais bon. Ramolos, Shaglam, Gripat, Onyx, Eoko. On a un petit Ramolos en brillant derrière et on a. Oh! On a une gold. Les amis, on a une grosse gold. On a une full gold. 5, 4, 3, 2, 1. On a un petit Octillery en full gold. Oh, il est trop beau. DGG, surtout sur la vidéo. J'espère que vous êtes aussi content que moi. Il est magnifique. Ah là là là, mais cette boîte, on vient d'avoir une VMAX dans le premier booster. On a un Octillery juste derrière, mais c'est juste magnifique. Regardez-moi comment il brille. Il est magnifique. Oh là là là. Le seul regret que j'ai là, c'est de ne pas avoir été à la douche juste avant. Je me dis, je vais potentiellement salir les cartes.
Mais non, ça va bien se passer. Oh là 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 là, le ghost. Il est magnifique. Allez, on fait bien descendre dans le fond. Il est bien protégé. Regardez-moi ce petit Octillery. Il est super beau en full gold. Oh, il est magnifique. Là, cette boîte-là, pour l'instant, on est d'accord qu'elle nous met plutôt bien. On est vraiment, vraiment, vraiment content. Alors ça va là. Ça, c'était le point de fusion. Je vais le mettre sur le côté et on va ouvrir le petit Ténèbres embrasées. Cette collection que je ne connais pas, ça serait juste énorme qu'on ait une superbe carte dans cette box. Mais là, ça serait le panard, quoi. Après, on va pas se plaindre. On a déjà eu des belles choses. Tiens, pour le coup, le code, il est dans ce sens-là. C'est cadeau. C'est Bibi qui met bien. Hop. Ça serait énorme. Imagine, on retombe sur quelque chose de super lourd là. Je serais super content. Allez, on est sur un petit énergie. Ornithologue. Candine. Quina, Poussifeu, Étourmie, Hermure, Feuillajou, Dinavolt, on a un petit Mister Mine de Galar, et on a une petite V aussi derrière, mais c'est vraiment, vraiment 3 boosters sur 4, 3 hits sur 4 boosters. Que demander de plus avec un petit Limonde de Galar, qui est super beau aussi. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on se met bien là ce soir? On se met vraiment clairement plutôt bien avec cette petite Pokébox. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette Pokébox. J'espère qu'elle t'a plu autant qu'elle vient de me donner des frissons. Vraiment, on a un petit Krabos VMAX, je te rappelle, qui est tombé au niveau du Star Étincelante. On a un petit Octillery en gold qui vient de tomber donc sur du Ténèbres embrasées. Voilà, j'étais obligé de regarder le booster. Donc j'espère que ça t'a plu. T'oublie pas. Tu likes, tu commentes, tu donnes un petit pouce pour la force, ça fait plaisir. Tu t'abonnes et surtout tu actives la cloche. Je te rappelle que juste derrière moi, si tu les vois pas, là, tu vois de ce côté-là, là, ici, là, il y a deux box complètes. Donc on a deux displays complets en évolution céleste. Je te fais des bisous, je te dis merci pour ton soutien et je te dis à très bientôt en live.